depuis 4 mois que j'ai créé ce compte-là. Vous voyez, je suis juste à 55 abonnés. Vous voyez, c'est du n'importe quoi. Ils prennent vraiment les gens pour des cons. Il y a des gens, ils parlent des trucs banals. Ils parlent des trucs de merde sur Internet. Ils sont là, ils parlent, ils disent « Oui, ma réponse à un tel, ma réponse à un tel, ce que je pense de ci, ce que je pense de ça. » Ils ont 1000 vues. Et enfin, ils font des milliers de vues. En deux mois de création de trucs, il y a des gens, ils ont créé leur compte 2-3 mois, ils ont au moins 1500 abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés. Il y a des gens, ça fait 2-3 semaines, ils ont créé leur compte, ils ont 800 abonnés, 1900 abonnés. Moi, ça fait 4 mois. Trois mois, c'était 55. En un mois, c'est descendu jusqu'à 53. Après 51, après c'est monté 52, 53, 54. Après ça a redescendu encore 51, 52, 53. Ça, maintenant 50. Après, un mois avant, c'était 55. Après, ça fait que descendre et monter. Un mois après, c'est revenu 55. Vous voyez, au bout de 4 mois, 55, il n'y a aucune vidéo qui a passé. La plus grosse, elle a fait la plus, celle qui a fait le plus de vues, c'est 700 et quelques. Le reste, c'est 200, 300. Sont au bout de 4 mois. Il y en a des vidéos au bout de 4 mois, ils ont fait 30 vues. 30, 40 vues. Vous voyez, le sabotage, la censure. Vous voyez, c'est du n'importe quoi. Moi, je sais. Je sais. C'est les espions de la DCRI et les services secrets militaires. Vous voyez, et la police. Ce crime d'État, ils veulent pas que ça se propage. Ils veulent pas que les individus ciblés, ils ont de la visibilité. C'est tout. Ils veulent pas que ça, ils ont de la visibilité et c'est pour ça qu'ils les censurent. Vous voyez? Au bout de 4 mois, là, c'est 55 vues. Enfin, 55 abonnés. Et la plupart, c'est des trolls. La plupart, c'est des trolls. Oui, il y a au moins 25 trolls ou 20 trolls. Parce que vous voyez, en fait, normalement, les nouveaux abonnés, tu as une notification qui te prévient qu'il y a un nouveau abonné. Vous voyez, moi, il y a des abonnés qui s'affichent la notification et les autres, ça ne s'affiche pas. Et j'ai remarqué, en fait, ils laissent afficher les nouveaux abonnés que les trolls. Vous voyez, je sais, quand ils m'affichent un nouveau abonné, je sais directement c'est un troll. Parce que les autres, ils me l'affichent pas. Les gens normaux et tout, les ciblés et tout, je vois pas leur notification de nouveaux abonnés. Je vois que leur troll. Ils laissent passer que les notifications de leur troll. Bref, au bout de 4 mois, 55 abonnés. Ouais. Il n'y a aucune vidéo qui a passé 700 vues. Alors qu'il y a des vidéos à moi qui sont reliées dans des sites qui font, ils font 200 000 300 000 visites. Vous voyez, ils font 200 000, 300 000 visites. Mais moi, les vidéos-là qui sont reliées sur ces sites-là, ils font 200 et quelques, 300 maximum. Vous voyez, la censure. La censure. Il y a des gens, tout à l'heure, j'ai regardé
une vidéo. Une femme, elle parle de, dans la région, la Lorraine, elle parle de pédosatanisme et je sais pas quoi. La vidéo, elle a fait combien? Elle a fait 20 000 vues, je crois. Vous voyez? Moi, c'est un rêve. Jamais je ferai des autant de vues. Ils laisseront jamais les vues monter autant. Ils laisseront jamais. Il y a des vidéos, ça fait 2-3 mois, elle est bloquée dans le même nombre de vues. Au bout de 3 semaines, 1 mois, ils rajoutent 1 de vues. Vous voyez, il n'y a rien qui est normal. Hein. Les vidéos normales, tu les rajoutes. Au bout de 2-3 jours, elle arrive à 700, 800 vues. Vous voyez, au bout d'une semaine, ça dépend des sujets, vous voyez. Moi, je parle, il y a d'autres sujets, et même les titres, ils sont pertinents. Mais en fait, j'ai remarqué, même quand je ne me connecte pas, je vais sur le moteur de recherche et je cherche avec des mots-clés sur les sujets moi, que j'ai partagés. Mes vidéos, elles ne s'affichent pas. Elles ne s'affichent pas, il n'y a qu'une seule vidéo où elles s'affichent. Ça parle du gang stalking, le reste de vidéo, ça ne s'affiche pas. Vous voyez, ils bloquent à mort les vidéos, ils bloquent les abonnés. Ils suppriment de temps en temps, ils suppriment 3-4 d'un seul coup. Vous voyez, ils mettent 2-3 trolls. Les nouveaux abonnés, les trolls, je les vois, leur notification à nouveaux abonnés. Et c'est les qui ne sont pas trolls, je ne les vois jamais, leurs nouveaux abonnés, leurs notifications. Ouais. Les vidéos, comme je vous ai dit, pendant des semaines et des semaines, il y a des vidéos, ça fait 3-4 mois, il n'y a même pas une seule vue de plus. Il y a d'autres, ça fait 2-3-4 vues de... Vous voyez, j'ai fait plus d'une soixantaine de vidéos. J'ai une seule, ça fait 700 vues. Là, pendant que je vous parle, avec le portable, ils sont en train d'augmenter luminosité et de la diminuer. Ils sont en train de le faire. Mais parce qu'ils savent, j'ai pas là tout de suite sur moi où je suis là, j'ai pas l'autre portable. C'est pour ça qu'ils le permettent. Ils savent que quand j'ai l'autre portable, je les filme direct. Là, depuis tout à l'heure, là, je suis en train de me parler, je me vois dans le visage, vous voyez. Ils augmentent la luminosité et ils la diminuent. Vous voyez, là, ils ont fait comme ça. C'est devenu tout noir, après c'est devenu tout clair. Bref. Ils font ça exprès, vous voyez, pour me perturber, pour que je parle pas, je vais pas au fond des sujets. C'est de l'harcèlement, en fait, vous voyez, c'est pour que je dis pas ce que j'ai à dire. Ils le font. Là, ils sont en train de... Là, c'est devenu tout noir. Après ça, là, c'est tout noir. Hop, c'est devenu plus clair. Bref. Voilà, harcèlement tous les jours. Sabotage. Tapage. Vol, blocage des vidéos, blocage des nombres de vues, blocage des abonnés. Mes vidéos, ils ne sont pas vues. Vous voyez, ils ne sont pas référencés. Même quand on fait dans des moteurs de recherche, on ne tombe pas dessus. Bref. Vous voyez. Et c'est pour ça, même il y a des individus ciblés, ils ne connaissent même pas mon compte. Bref. Voilà, c'est tout ce que je voulais dénoncer. Et tout ce qui arrivera, de toute façon, je le dénoncerai. J'ai rien à foutre. Et eux, ils font ce qu'ils ont à faire et moi, je fais ce que j'ai à faire. Et de toute façon, ce que j'ai dit dans le passé, ils sont en train de le faire tous les jours. C'est toujours la même chose. Du matin au soir, à tour de rôle. Vous voyez, là, c'est les espions d'en bas à côté. Ils utilisent... Dans le gang stalking, c'est comme les opérations false flag. Ils utilisent des quartiers entiers. Ils isolent la cible. Vous voyez, là, comme ça, ils font tout ce qu'ils veulent. Comme ça, personne ne va entendre, personne ne voit.
comme la fermera. C'est un indic et un informateur DRG. Ils l'ont fait à 5, 3, 8. Ils l'ont isolé des gens qui les connaissent. Voyez, ils l'ont isolé dans son quartier. Ils ont fait une opération, ils ont assiégé le truc, ils l'ont rafalé, ils l'ont tué, ils ont dit que c'était un terroriste, ils l'ont fait coller des affaires qui c'était même pas lui. Les gens qui étaient témoins, ils ont vu, ils ont dit, il y avait un gaillard, des yeux bleus, Mohamed Mera, il est tout fin comme ça, il n'a pas les yeux bleus. Et les témoins qu'ils ont vus, ceux qu'il a tirés sur les militaires, c'était des gens costauds, les yeux bleus. Mohamed Mera, il n'était pas costaud, il n'avait pas les yeux bleus. Bref, sur ce, les harceleurs, comme je vous ai dit, le gang stalking, c'est toute la vie. Tant que je serai vivant, ils feront toujours comme ça. Là, c'est les putes, là. Là, les putes, ils sont en train d'augmenter la luminosité, de la diminuer. Vous voyez? Un jeu, vous voyez? C'est un jeu pour eux. Ils ont le truc, ils ont l'argent du contribuable. Après, ils disent, c'est la crise, tout ça. Ils ont l'argent du contribuable. Ils ont rien à faire. Vous voyez? Et ils sont là. Ils se relaient à tour de rôle. C'est comme ça, vous voyez? C'est comme ça, toujours ils essayent d'anticiper. C'est pour ça ils savent tout ce que je dis à l'heure où je le dis. Ils savent ce que je fais sur Internet, ce que j'écris, ce que j'envoie, ce que je parle sur le téléphone. Là, je suis en train de parler dans la vidéo. Eux, ils le savent. Ouais, avec leurs balises, là, des renseignements et des RG, n'importe quel téléphone, n'importe quel micro, caméra, pour eux, ça deviendra un mouchard. Bref. Sur ce, là, ils en profitent, là, parce que j'ai pas l'autre... J'ai pas l'autre portable, j'ai pas l'autre caméra. Là, ils sont en train d'augmenter la lumière et de la diminuer. Depuis tout à l'heure, ils font ça. Comme je vous donne un autre exemple... Allez-y, regardez les vidéos qu'elle fait, elle baise. Ils font quoi? Ils zooment et dézooment. Ils zooment et dézooment. Ils zooment et dézooment. Vous voyez? C'est pour rendre fou et pour vous déconcentrer, pour que vous ne dites pas l'important. Vous voyez? Et là, ils sont en train de faire ça. C'est tellement flagrant. Mais j'ai pas l'appareil. Si je prends l'appareil, je commence à filmer, ils vont s'arrêter. Pourquoi? Ils n'ont rien à foutre. Vous voyez, ils n'ont rien à foutre. Ils sont protégés. Ils savent, ils n'ont rien à craindre. L'État, la PJ, elle les protège. L'État, les juges, elle les protège. Vous voyez? Mais eux, ils ne veulent pas laisser de preuves, c'est tout. Ils savent que si je les filme, comment ils font, je vais la partager. Les gens, ils vont les voir. Ils vont se dire, ah ouais, c'est vrai. C'est bizarre quand même que la lumière, vous voyez, l'éclairage, il augmente, il diminue. Vous voyez, et eux, ils ne veulent pas laisser de preuves. Quand je filme pas, ils le font. Ils le font à gogo. Là, ça fait 14 minutes, je vous parle dans cette vidéo. Ils sont en train de s'amuser, augmenter la luminosité, diminuer. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils détruisent les appareils. Et c'est comme ça qu'ils font avec Internet, ils me le coupent, ils augmentent, ils diminuent la connexion, ils grattent des gigas par-ci, par-là, vous voyez, les voleurs. Là, c'est juste dans la vie privée. Dehors, il y aura les indiques qui vont prendre la relève. Il y aura d'autres francs-maçons, d'autres policiers civils et d'autres des renseignements, ils vont prendre la relève dehors. Vous voyez, là, ils me voient, ils ont des mouchards partout, ils ont mis dans la salle de bain, dans les toilettes, dans le salon, dans la cuisine, dans les chambres, partout. Vous voyez, si je sors, ils vont signaler à leurs indiques qui sont placés dans les appartements autour. Vous voyez,
Après, hop, eux, ils prendront la relève. Et comme ça, 3-8. Si je sors, il y aura un autre groupe qui me prendra en filiature. Je vais à la gare. Il y en a un autre groupe qui va m'attendre à la gare. Et vous voyez, quand j'arrive, ils vont signaler un autre groupe, il va monter avec moi dans le train. Je vais par exemple à une gare, il y aura un groupe dans chaque, à côté de chaque train pour anticiper mes voyages. Je vais prendre le TGV, il y aura un pion ou plusieurs, ils vont monter avec moi. Ils vont le dire, à, ils vont voir le train. Les stations qui fait. Chaque station, il y aura un groupe qui va attendre. Vous voyez, si je vais à Lille, hop, à Lille, ils vont appeler la police et les RG de Lille. Et les indiques de Lille, ils vont m'attendre à la gare. Je vais où? À Marseille. À Marseille, je vais descendre, je vais trouver un groupe d'indiques et d'informateurs et de policiers et de RG qui m'attendront à Marseille. Et où je bouge, c'est comme ça. Et c'est comme ça ils organisent leur guet-apens, leur agression, vous voyez, leur sabotage, leur espionnage, H24. Vous voyez, là, plus je les dénonce, plus eux, ils ragent. Là, ils sont en train de faire que ils augmentent, ils diminuent. Là. Mais là, dommage, profitez, bande d'enculés, vous voyez. Profitez, bande de lâches, tant que j'ai pas la caméra là. Hein? Tant que j'ai pas la caméra. Enfin, j'ai ça, mais je peux pas filmer avec le même portable. Ce que je vois là, vous voyez, j'ai pas l'autre portable. Et là, tout de suite, si je vais chercher l'autre portable pour filmer, ça va s'arrêter. Sur ce, à la prochaine.